On est complètement dans les principes de l'éducation nouvelle, à savoir le tâtonnement expérimental. Bonjour, je suis Thomas Prime, je suis responsable de formation au CMEA Pays de la Loire. Je suis enseignant détaché de l'éducation nationale. L'école dehors, c'est ce matin, ce mercredi matin de novembre, où je suis avec une classe de l'école André Chédide à Saint-Nazaire, avec 22 élèves de petite section et moyenne section, avec qui nous sommes venus sur ce terrain, près de leur école, où nous allons passer la matinée. La matinée à vivre, à faire l'école dehors, à échanger, à découvrir cet endroit-là. Pourquoi on le fait en tant que CMEA? Parce que pour nous, c'est d'abord un changement de posture complet, qui remet tout le monde à niveau, un des principes qui me tient à cœur moi dans l'éducation nouvelle, c'est-à-dire on n'est plus le maître ou la maîtresse ou les adultes face aux élèves dans le rapport au savoir, mais on est bien à égalité dans la rencontre un peu particulière là qu'on va vivre dans le dehors. On est tous avec nos bottes, nos cirés, nos... voilà. Et puis aussi parce que apprendre par, avec et pour la nature, on est complètement dans les principes de l'éducation nouvelle, à savoir le tâtonnement expérimental, l'expérience, le vrai, apprendre avec les autres par l'intermédiaire de la nature. Une expérience du dehors, pour moi, c'est les week-ends régionaux que l'on fait avec les CMEA régulièrement. Les week-ends du dehors, où pendant 2, 3 jours, des fois 4 jours, nous vivons dehors, nous mangeons dehors, nous faisons de l'activité dehors, nous apprenons à appréhender cette question du dehors.